Alors, on ne joue pas Hamlet par hasard, on va faire connaissance avec le côté obscur de Charles Berling. Interview côté obscur. Charles, côté obscur. J'aime bien les cartes. Non. Côté obscur. Côté obscur. Depuis qu'on leur a mis des fleurs là. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Oui, mais comme Hamlet, je n'ai jamais pu le tuer. Ouais. Mais ça m'est arrivé, oui. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour en nombre impair? Ah oui, oui. Ouais. Avec deux mecs ou deux filles? Non. Vous savez, beaucoup d'expérience, donc... Ouais. Donc ça peut être deux mecs, ça peut être deux filles. Ouais. Tout ce que vous voulez. À Nanterre, ouais. Hein, ils s'en passent des choses. Ah, c'est bien hein. À Nanterre. Bah quoi. Est-ce que vous pourriez signer... Pas vous. Est-ce que vous pourriez... Pas vous. Pas est-ce vous que... Bah oui, moi j'ai connu 68, moi. Donc. Ah bon. Est-ce que vous pourriez... 68. C'était avant, quand j'en pleure. Est-ce que vous pourriez signer un pacte avec TF1? Un pacte avec CF1, non. Son partenaire de la pièce. Non, je ne comprends même pas la question. Ouais. Non, vous en voulez beaucoup, vous dites aux bourgeois, c'est les bourgeois qui dirigent la télé, et finalement le mépris qu'ils ont pour les classes populaires, c'est de faire de la télé de merde, alors qu'eux, ils savent qu'ils font de la merde. Je crois, non. Suffisamment cultivés pour savoir qu'ils font de la merde. Je crois que certains qui font de la télé vraiment de merde ont des responsabilités, voilà, c'est ce que je dis. Ça, j'en suis sûr. Bah, oui. Et je dis que ce qui va nous arriver dans la gueule, parce qu'à un moment donné, quand on commence à foutre en l'air la culture, à foutre en l'air l'intelligence et la pensée des gens, on se retrouve avec des gens qui ne pensent plus qu'il y a une chose, c'est prendre une Kalachnikov et vous tirer dessus. Ouais. Si c'est ça qu'ils veulent, allons-y. On y va droit, là. Eh oui. Ah. C'est Benjamin qui est responsable. Hein. Est-ce Benjamin que vous avez... Certainement pas. Ah non, bah si. Est-ce que vous avez déjà été dépendant d'une drogue? Oui. Laquelle? La cigarette. Ah, c'est fini, là. Oui. C'est courageux, dites donc. Depuis quand? Il est bien ce Berling. 5 ans. J'ai fait comme mon père, parce qu'il m'a dit à 40 ans, il faut arrêter. T'es médecin, votre père, non? Ouais. Il m'a dit, après la courbe, elle monte, c'est-à-dire, ça fait comme ça, et à 40, ça fait pour crever, donc j'ai envie de vivre. Est-ce que vous avez déjà baisé la femme d'un ami, Charles? Oh, certainement, mais enfin, je l'ignorais. Il est mignon comme tout, moi. Est-ce que vous regardez, on est toujours dans le côté obscur, hein, est-ce que vous regardez des documentaires sur les poulpes? C'est sur les poulpes, oui. Ça peut m'arriver. Attention, c'est un signe ça. Vous savez, quand on commence à regarder des documentaires sur les poulpes. Enfin, je ne les cherche pas. Vous ne cherchez pas. Si vous envoyez un, vous le regardez. Mais vous n'allez pas acheter. Je n'ai pas acheté des cassettes, quoi, je veux dire. Qu'est-ce que tu as contre les céphalopodes? Non, mais il y a des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as contre les céphalopodes? Explique-moi, c'est quoi le problème? Il paraît, quand on regarde des documentaires sur les poulpes, c'est un signe de dérangement. Ah bon, mais dans quel sens? Dérangement de quoi? Parce que moi, je regarde des dérangements psychiques. Ah d'accord. C'est que les poulpes. Que les poulpes. Si tu regardes les poulpes, c'est autre chose. Non, les méduses et les poulpes. Ah. Donc vous avez déjà regardé le documentaire sur les poulpes? Oui, mais enfin... Donc j'y pense, j'ai toute une collection. À la je l'ai pas fait exprès. Voilà. Est-ce que vous avez déjà imaginé votre enterrement? La Poulpeville. Oui, ça m'est arrivé une fois parce que j'ai eu un accident de plongée et sur la remontée, je pensais que j'allais pas finir, pas remonter. Je voyais le haut, je me suis dit, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et là, j'ai vu, en remontant, j'ai vu, non mais j'ai vu tout quoi, les gens qui font, oh merde, il est mort et tout, ah comment on va faire. Eh ben, tu manques on voit ça, on voit tout ce qui se passe après. On est ému même, mais enfin en même temps. Non, tu n'y es pas arrivé, tu es toujours dans ton rêve. Il est toujours dans son rêve et il est aux Amandiers dans Hamlet. Merci.